saluer notre frère Samuel. Moi, j'espère que nous très bien. Et je tiens là, comme nous avons bien constaté, avec le dossier président Jovenel Moïse, nous connaissons que le président Jovenel Moïse est à la France, et il est passé aux États-Unis, il est passé dans le Canada, côté qu'il a expliqué comment sortir le pays, la crise côté qu'il y a, et comment qui ça qu'elle mettait sous pied pour qu'elle soit capable de faire l'autre Haïti, pour qu'elle soit capable de faire l'autre Haïti possible. Côté qu'elle demande aide internationale là pour changement pays, pour ne pas arriver côté que nous, les Américains mettent nous là, je veux dire. Côté que les Américains mettent un pays tête à tête, dos à dos, en rien pas utile en deux pays. C'est bandit, ils ont tout le pouvoir. C'est eux-mêmes qui ont fait transfert d'armes, transfert balles en Haïti. Pendant que eux-mêmes ont rentré dans la mentalité, nous, côté qu'ils ont dit, pays n'est pas bon. Pays n'est pas capable. Pays a fini, mais c'est même lui-même qui a alimenté bandits, qui a alimenté les gens en deux pays. Mais nous connaissons que le président Jovenel Moïse est allé directement de la France, qu'on a annoncé qu'il y a plus que 28 magistrats qui ont été fait nommer, et aussi plus que 50 juges qui ont été fait nommer. Et nous connaissons toutes les âmes qui ont commandé tout, nous connaissons Berthaud Dossé qui a commandé plusieurs âmes qui ont été sorti dans le pays aux États-Unis. Maintenant, c'est même États-Unis, ça même, côté qui a crasé, démoli, envoyé les âmes en Haïti, mettez tout petit génie là, on qui place en deux pays pour capable de craser le pays, pour nous-mêmes nous pas rien, pour nous-mêmes nous avons une insécurité totale en deux pays. Côté que c'est eux-mêmes qui font tout le mouvement, maintenant, c'est eux-mêmes qui disent nous, ils veulent aider nous, c'est eux-mêmes qui disent nous, mais qui savent ouvrir pour nous. Mais le monde présentement là, tu peux parler ensemble avec nous, sur le dossier ça, Berthaud frère, comment y est? Bousta John, et moi content pour me saluer, je dis la même, et je suis content tout pour me saluer tous les amis, famille plateforme ça, gros tonton, émission ça, qui c'est émission Bousta John TV. Hein. Et moi salue Bousta John, son plaisir vraiment, il y a un plaisir pour moi, et m'a salué toute famille, amis, plateforme YouTube et Foubeto, qui c'est famille, amis, plateforme YouTube, Bousta John. Bousta John, son plaisir, moi bien content, ensemble avec vous, aujourd'hui à la même, pour nous faire un petit bas de bouche sur exactement la situation et cap développé en dedans pays, hein, parce qu'il y a des points qui sont extrêmement importants pour que nous abordions ensemble avec la population. Et fait, et Jacques, vous avez annoncé là, et que ça nous a passé là, ça nous a parlé là, yo, nous avons un président qui est le président Jovenel Moïse, qui est le 58e président d'Haïti, effectivement. L'idée a annoncé tout ce qu'on a fait là, yo. Tout ce qu'on a dit là, yo. C'est parce que Nagamba n'a pas de courage global crédit. C'est parce qu'il a eu le courage tout pour te dire la vérité qui cause tout et tout quelque part. Effectivement, nous pouvons faire un petit bas de bouche sur la situation qu'on a développée là et sur le dossier qui est d'actualité pour le moment dans la République Bousta John. Berthaud, nous avons des fontiers, clairement, Berthaud. Maintenant, nous connaissons Dimitri Fort est embauché. Yon avocat en deux pays pour bataille pour le Québec Sogénère, pour une bataille avec le président Jovenel Moïse. Très bien. Dimitri Fort, tout en annonçant qu'il s'est pas passé, nous, avec Berthaud Dossé, lui-même, il campait contre le changement du pays d'Haïti pour que Dimitri Fort soit capable de prendre la rue. Là, qu'il ouais, qu'il a perdu, et bien maintenant, il rentre. Côté que Dimitri Fort bien, et bien nous, avec des cas, son âme qui a rentré en deux pays. Nous ne pouvons pas dire pour qui ça craint les autres ça va rentrer tout le temps, mais il y a un petit gène qui a été développé avec ça dans le pays. Et là maintenant, nous avons été fin assassiné le président Jovenel Moïse, style de cagé aux âmes qui a rentré dans le pays. Pendant que Berthaud Dossé était en face du président pour être capable de faire, et bien Dimitri Fort gagner la rue. Maintenant, ils ont éliminé le président Jovenel Moïse. Maintenant, c'est même Berthaud Dossé, c'est ça que Dimitri Fort installé comme ministre justice. Pour pas de justice pour le président Jovenel Moïse en deux pays. Et encore, même mouvement ça encore, c'est lui-même qui a fait rentrer les âmes en deux pays d'Haïti. Qui sont capables à propos de tout ça, au côté que même Canada a constaté et a fait après des recherches que Canada a fait, mettez nos Berthaud Dossé dans la mort, président Jovenel Moïse, avec cargaison âme qui a fait rentrer en Haïti. Et jusqu'à maintenant, nous avons côté que Haïti en désordre pour les vrais, mais Berthaud Dossé toujours, eh bien, nous sommes capables tout. Pourquoi capable d'arrêter et même installer un autre chambre? Qu'est-ce que vous avez dit de tout ça? Très bien. Et m'a félicité pour point ça parce qu'il est extrêmement important. Et encore une fois, m'a remercié vous parce que vous avez une possibilité pour nous faire un petit parler ensemble avec famille, amis, plateforme Bousta John. Et moi remercie vous tout parce que il y a un petit temps pour vous attendre nous tout. Et normalement, Bousta John, n'a pas appelé pour la population haïtienne qui attend nous là sur Google Platform ça qui c'est Channel Bousta John TV. Et que le président Jovenel Moïse assassiné, m'a dit nos graines bagailles.
c'est des raisons économiques. Premier bagage, raison économique. Deuxième, non, les politiques, parce que pour gagner contrôle la situation économique dans le pays d'Haïti, il faut qu'on capable gagner pouvoir économique, pouvoir politique là. Pouvoir politique là, automatiquement gagner des yo, qu'on y a le ça ou capable ou pas capable de manipuler tout secteur net dans le pays pour capable gagner quantité d'argent que vous voulez. Et normalement, n'a pas les deux dossiers et dossier bientôt qui était représenté directement Dimitri Vob dans tête ministère de la Justice. Et tout le monde capable elle et moi-même pour grand bagage que m'a dit population. Et ça cause nous jeunes occasion en or, c'est que moun qui était qu'on a bataille en 2006 pas de jeune. Moun qui était qu'on a bataille en 2000 pas de jeune. Je dis à nous jeunes Channel Boosta John TV qui capable de possibilité qui dit nous la vérité à Jacques Lier. Nous jeunes émission madame Sarah qui dit vérité à Jacques Lier. Nous gagne Boosta John, nous gain Jimmy Mon Affaire Bon TV. Nous gagne Checo peuple là parler Haïti. Nous gagne Foucault taxe 509 missile là payer pour tes jeune femme ça. Nous gagne plateforme pas nous info beto avec un paquet l'autre femme mes amis encore qui l'autre plateforme dans média Lio qui fait des travail sérieux. Qui permettent nous et comprendre ce qui a passé dans le pays. Effectivement, situation pays d'Haïti, peuple haïtien, Boosta John, li exactement son bataille politique qui mettait Haïti dans ça que le trouvait là. Bataille politique dans toute façon. N'est-ce qu'il utilise la violence pour que yon font bataille politique avec un président qui est élu démocratiquement parce qu'il a une volonté pour aider le peuple. Et bien, de fait, n'est-ce qu'il sentit que il y a une opportunité qui a sorti dans le meilleur. Mais quelque part, il utilise la violence pour que vous capable de faire président ça, faire back sur le signaux. Là, vous avez tout ça que vous faites comme violence, et que le président quand face à des dentés, vous utilisez la vie peuple là, assassiner moun, faire massacre pour pas bon dans le pays là, et que pour vous dire international, c'est que c'est Jovenel Moïse qui a fait massacre. Vous avez rentré ça tout partout, c'est tiré tout partout pour ça avec gang. Non, face au dire c'est Jovenel Moïse qui a fait ça. Mais vous ne connaissez si que international là, qui a fait des crasés pays quelque part, si vous avez veillé sur vous. Si tu as des médias en ligne qui t'as fait une campagne dans le niveau de campagne là, 18 mois et quelques jours après, assassinant le président, pour aider, pour comme si, pour exiger international là, pour une responsabilité le face avec le groupe avec qu'elle mettait dans le pays, qui a depuis le pays. Et bien normalement, n'a pas de dossier bientôt. Effectivement, dossier bientôt, c'est ton avocat sous-général qui t'a bataillé en face de l'État haïtien sous la présidence de Jovenel Moïse, parce que le président Jovenel Moïse t'a fait une bataille pour que le te prenne Sojourner et de fait qu'il te prenne. Sojourner tourne pour l'État haïtien, effectivement. Ce n'est pas Sojourner, non. C'est Alvaro, normalement. Qui Dimitri Vob te change de nom pour te faire le poté, non. La Sojourner. Eh bien, dans ce moment-là, t'a fait une bataille en face du président Jovenel Moïse pour que le te prenne Vare, pour le te remettre Dimitri Vob, là que le président Jovenel Moïse a décidé pour que le te coupe contre ça. Et dans ce moment-là, c'est avocat de confiance. Dimitri Vob. Monsieur, pour moi, ce n'est pas avocat. Dans ce bateau qu'on tue, il y a un pays déjà. Monsieur, son droit de dire. Monsieur, dans la gang Dimitri Vob, là. Pas oublier Dimitri Vob, il est le général Kiki. Son tueur, son assassin. Et dossier, ça, nous avons venir avec vous en détail pour Boosta John. Dimitri Vob, c'est qui a des âmes dans le pays pour l'assassiner dans la cité solaire dans le pays. Nous devons prendre ça. Et allié sur lui, c'est René mon plaisir, Nek Chot, Nek Boukan Guillaume Asapit. Actuellement, là, nous avons préparé pour la candidat au Sénat dans le département sud-est. Là. Et à l'autre allié, c'est John Joel Joseph, qui est ancien chauffeur, Amaral Duclona, actuellement, qui est en prison aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là. Et l'autre restant avec quelqu'un de Choul dans le pays, qui a utilisé micro pour faire diversion pour lui, c'est Don Kato. Chien salsa, il est toujours dans le pays, comme si il a frappé pour monsieur toujours. Tôt ou tard, le peuple a marché pour elle, parce que l'opération 2 millions de manchettes là, l'opération dans le pays quand même. Parce que moi-même, moins 10 populations, 2 millions de manchettes, la solution, pour, comme si une fois pour tout le boostage dans le pays, ça. Et moi, je suis habité à moi-même. Oui. Écoutez bien. Effectivement, la situation vient extrêmement compliquée. Donc, c'est bientôt, vient trouver lui en face, comme si Ndadjo, il y a un taureau qui est le Jovenel Moïse qui n'a pas fait bac. Bataille, oui. Toute frappe et que Jovenel Moïse plié mais pas cassé. Maintenant que fin senti que pas de l'autre option. Option qui gagne, c'est que c'est rendre Jovenel Moïse pas exister. Parce qu'il y a pour la puissance de feu, monsieur, parce qu'après 2 ans, a frappé monsieur sans camper. Non, dictature clairement, si nous pas frappe monsieur, on sait des frappes qui ont rapport avec kidnapping, assassinat, mais quelque part nous pas cacher une bout de monsieur. Et bien, vous venez mettre un kidnapping comme sous pied dans le pays. Kidnapping politique. Le kidnapping politique ne vient pas marcher parce que le peuple n'a pas voulu le pays pour nous encore. Parce que là, vous avez le pays, comme si vous avez marché pour vous pendant 4 mois, 120 jours, vous n'avez pas qu'à l'école. Là, vous venez tourner avec le dossier local encore, vous avez peuple pas voulu le pays, vous avez vu mettre un kidnapping politique dans la rue. Comment vous faites kidnapping politique? Le peuple haïtien, bien vite, m'a expliqué non. Et bien, normalement, vous venez dire clairement, nous pouvons commencer à lever un CD de monde. Nous avons pris un monde dans le 75, nous avons plagué,
comme si n'a tout gain radio nous là parce que yo gain radio ensemble avec yo yo te gain radio Télé Zénith à la disposition yo avec des journalistes dans la rue ensemble avec yo parce que ce qui est ce qui t'a fait kidnapping non c'est des groupes terroristes criminels qui ont été mettés sous pied qui relaient Phantom 609 qui te gain dans tête li France LB comme commandant en chef et puis Marie-Lise Gauthier et Karl-Henri Boucher trois monde qui te fait partie d'en haut qui trois monde qui fait partie de haut état major la police là à l'époque c'est eux même qui te commandant en chef groupe terroriste criminel qui relaient Phantom 609 là et ça nous prend responsabilité pour dire. Et l'autre monde qui a été gagné comme bras politique, c'était Nenel Kassi. Ok? Nenel Kassi. Après ça, tu viens de jouer. Ancien magistrat de Port-au-Prince, qui c'est Ralph Hiroui-Chevry, ancien manager barricade. Normalement, qui était l'administratif ça. Après ça, tu viens de jouer dans pile policier. Yannick Joseph, Abelson Gonègue, Gwenal Koutoua, qui c'est sécurité Nenel Kassi. En pile l'autre policier encore. Et puis, tu viens de recruter. On s'est des bandits dans Charlot, qui est Nenel Kassi, qui est rentré dans Matissan, dans Granavine, et dans le village de Dieu. Nous avons fait une fouille dans le Phantom 609. Et c'est Nenel Kassi qui t'en chargé pour te coudre uniforme la police pour te mettre sous bandit saillot, pour habiller un policier, pour aller mener une opération Phantom 709 gang, boule boîte l'État, boule machine l'État, boule mise privée, tout le monde dans la rue, tout le policier dans la rue. Et bien normalement, toute activité saillot, c'est des nègres qui sont dans le secteur privé des affaires, des nègres qui ont gros intérêt dans l'État qui coupé. Normalement, vous dites clairement, vous n'avez pas peut-être l'angle avec Jovenel Moïse là, même pas de mouvement de manifestation pacifique encore, c'est un mouvement drastique, mouvement violent qui va le faire, effectivement, pour bataille pour contrecarrer Jovenel Moïse. N'est-ce que mettez Phantom 609 campé sous pied? N'est-ce qu'il a frappé? Jovenel Moïse comprenne, il dénonce. Et de fait, Jovenel Moïse est venu bailler un chal responsabilité, ça, le chal commence à démanteler groupe terroriste Phantom 609 là. Pierre Espérance t'a bailler un chal pression. N'est-ce qu'il fait massacre d'Elma 32? Pierre Espérance qui t'a organisé lui pour dire ensemble avec nous. Parce que Pierre Espérance qui t'a connu massacre pour le préparer. Pour faire massacre, c'est deux mouns qui ont besoin de tout. Parce que, franchement, vous savez, chaque fois que je répète des ça, moi, en tant que nègre, petit paysan, je ne pas prononcer de bagages qui passaient dans le cadre d'assassinat. Jeune journaliste, ça, qui est Antoine Duclair, dans le 32, mon cher, ça fait mal en pile et il révolte dans le. Et ça fait autre jour, lorsqu'un jeune garçon qui a bataille ou envie rentrer dans la politique, effectivement, il faut qu'on connaisse beaucoup de questions de bataille. Il faut qu'on connaisse qui pour bataille là. Il faut regarder qui est le monde qui passe, qui ça qui est dans la tête, qui ça qui est faire. Est-ce que par exemple, dans nos réunions ensemble avec vous, leur composition et que vous même une position contraire avec ça que vous décidez de faire, est-ce que vous parlez tout yon? Et effectivement, c'est ça qui passe. Jeune demoiselle Sakiri, l'Antoine Duclair, que moi même pas besoin de parler de dossier et je pas besoin de demander justice pour lui. Il faut que nous bataillons pour que je justice. Parce que même les gens qui touillent yon, c'est même les gens qui sont dans la même équipe ensemble avec elle et qui donnent carte au courant. Et que Antoine Duclair parle oui, parce qu'il s'est passé, c'est parce que M. Phantom 69 yo, t'es dans une réunion et que yo a défini une stratégie, côté que groupe politique là, avec secteur privé a une mission pour assassiner le président, qu'on a défini qui ma qualité matérielle pour gagner yo, pour aller tuer le président. Effectivement, qu'on a Antoine Duclair avec Don Kato, qui a une structure politique qui est Matrice Libération, ensemble, c'est Don Kato qui a débarqué dans la réunion ensemble avec Antoine Duclair, pendant que tout le monde d'accord pour que Phantom 69 prenne mission pour assassiner le président, Antoine Duclair, juste quand il demande une motion. Et puis il dit, monsieur, nous sommes en 2021. Si nous faisons une bataille politique en face de Jovenel Moïse, je ne sais pas qui ça ne va pas faire là pour nous faire une bataille politique avec monsieur, pour nous jeter monsieur. Nous avons dit comme ça, par contre, nous avons dit, ou pas, les gens internationaux qui ont fait monsieur là, si nous faisons face avec monsieur, comme si monsieur n'a pas le pouvoir du tout, monsieur a fait élection, parce que pas de Jovenel Moïse réaliser élection avec référendum élection dans le pays. Parce que nous connaissons effectivement, depuis le référendum en fait, pas de possibilité pour vous avec ça, j'aime chef dans le pays encore. Parce que là, tu n'as pas voté le référendum en masse, mais quelque part, nous n'avons pas moins espoir pour voir encore. Et mais qui s'est passé? Antoine Duclair dit, monsieur, moi-même, je ne sais pas ce que je dis. Si nous faisons une bataille politique, nous faisons une bataille politique. Si nous rentrons dans l'assassinat, pensez que nous sommes capables d'assassiner un président de la République, moi-même, je sorti là-dedans parce que je ne suis pas là-dedans, parce que ça, nous ne pouvons pas supporter, la suivre nous et la finir avec nous politiquement. Nous ne pouvons jamais supporter ça. Et nous avons dit, ils ont banalisé, ils ont minimisé, ils ont dit, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait, ils ont dit, si vous suivez, suivez. Et quelque part, ils ont dit, pour nous continuer, avec le débat qui a fait là, avec ça qui a parlé, et bien justement, il faut nous retirer que ce bagage assassinat pour assassiner le président dans le cadre de l'Union. Mais, Antoine Duclair, si nous ne retirons pas, il dit qu'il faut aller. Effectivement, nous ne pouvons pas retirer, et bien, Antoine Duclair est levé, il prend la machine et il vient de l'aller. Donc, 14 était dans la réunion. Et bien, normalement, environ 30 minutes après, nous avons dit clairement, Antoine Duclair sont tout est lié. Lise femme Claude Joseph, en bon créole, papa ici, me dit nous, n'est-ce que c'est femme Claude Joseph, et que Manzé Pral dit Claude Joseph que n'a pas un complot pour assassiner le président. N'est-ce que parce que Antoine Duclair était bien avec Claude Joseph, c'est vérité. Il était bien avec Claude Joseph.
OK? Nous te recommandons que Claude Joseph t'a crié tout. Effectivement. Et bien normalement, nous avons dit comme ça que si nous quittons, Antoine Duclerc fait tout par couli, et bien dossier à la privée que Claude Joseph. Et moi, je n'ai pas dit dans le téléphone, parce que moi, je connais quelque part, comme si je n'ai appelé la carrière tracée. La façon pour lui arriver côté Claude Joseph, pour lui dire Claude Joseph ça. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons été tout dépêché. Environ 4 soldats fantômes section 9, ok, 2 motocyclettes, suivent Antoine Duclerc, fait la tout seul automatiquement, ils ont retracé, et puis ils ont joué Antoine Duclerc côté Liana Machine, ils ont tout fusé Antoine Duclerc. Malheureusement, ils ont tout joué Diego Chal ensemble avec, parce qu'ils ne connaissent pas Diego Chal ça, en tant que cavalier Paul Kali, journaliste pareil, ils ont tout fusé Diego Chal tout. Mais pour être capable de couvrir cette scène de crime dans le stadion, famille dans la plateforme du stadion, ils ont tout organisé, rapide, vite. Yo tout font massacre d'Elma 32. Plus passé 11 moun mouri d'Elma 32, jou ça. Et rapide, vite, Pierre Espérance tout produit un rapport. Vous donnez comment le système a fonctionné? Radio Télé Zénith a suivi. Et puis Pierre Espérance, droits humains, tout campé là. Et puis, n'a pas fini tout le monde, rapide, Pierre Espérance a produit un rapport. Rapide, vite, parce que Pierre Espérance toujours un rapport qui préparait sous président Jovenel Moïse. Sauf que l'hypoko gen dat, l'hypoko gen lieu, l'hypoko gen quantité cadavre qu'il a mis là-dedans. Mais l'hypoko gen rapport qui toujours préparé sous non président Jovenel Moïse. L'hypoko gen dat, l'hypoko gen lieu, l'hypoko gen quantité cadavre qu'il a mis là. Mais rapport toujours préparé. Effectivement, Pierre Espérance n'a qu'à ajouter cadavre, n'a qu'à ajouter quantité cadavre là, et puis lié massacre là, et puis qui groupe moun qu'elle dit Jovenel Moïse voulait faire massacre là. Rapide, vite, Pierre Espérance dit, c'est équipe G9, barbecue, tout son cachet du feu, et que Jovenel Moïse voyait Delma 32 à le massacrer, à le tuer Antoine Duclerc, et puis massacrer Moun Delma 32. Ça a arrêté là. DCPJ Moun est mené bon enquête, il a arrêté des policiers, fantômes 709, il a arrêté des gens qui fait crime, non, et bien pas jamais qu'il y a suivi de fait, bien que le défait de dossier n'y a pas devant, cabinet de destruction. Doyen tribunal civil à l'époque, là, qui s'est bien dans la ville, il classe le dossier sans suite, parce qu'il travaille pour l'équipe. Est-ce que nous comprenons? Pour avancer avec le dossier qui est pour avec le dossier bientôt peuple haïtien. Moi, j'ai deux points qui sont extrêmement que nous allons faire ensemble avec le pays, avec la nation. Naturellement, je dis, nous avons un scandale qui est éclaté dans le système judiciaire. Jean qui m'a annoncé là au départ, et que le président Jovenel Moïse, dans la visite que le gagne dans le pays de la France, Boussa John Jacques dit là, il a annoncé que, pendant que le pays de la France, il a forcé nommer 50 juges corrompus. Ça veut dire 50 juges volants en mot créole, peuple haïtien. Parce que moi, je dis nous clairement, il faut bientôt c'est créole que nous parlons, nous faisons émission en créole, nous disons nous causer en créole pour nous dans tout le monde qui attend de nous pour capable comprendre. Président Jovenel Moïse dans le pays de la France, dans une déclaration qu'il a fait, il a annoncé que, eh bien, système pouvoir, alors système politique là, et sénat de la République là, avec pouvoir judiciaire là, a forcé nommer 50 juges qui n'a mauvais acte, ça veut dire qui n'a volé, juge qui n'a triché, qui n'a, comme si n'a dû laguer gang, affilié avec gang, association malfaiteur, juge qui a libéré volé, qui a tué monde dans le pays. Le président Jovenel Moïse dit nous ça. Eh bien, tout le monde, te prend dossier ça, yo m'en enragé. Dois humain Pierre Espérance, m'en enragé. Marie-Hélène Gilles, déchaîné. Liliane Pierre-Paul, déchaîné. Jean-Mona Metellus déchaîné. Radio Télé Zénith même, Radio Mille Collines, ça s'entendait à tout. C'est Jovenel Moïse, a dit tel bagay. C'est comme si, monsieur, pas respecté. M'a gardé pour moi, conseil pouvoir judiciaire, qui c'est CSPJ. Tout conseil déchaîné net, et que le président dérespectant, monsieur, pas respecté, mon du tout nos pays, pour monsieur, attaquer pouvoir judiciaire comme ça, c'est craser, monsieur, bise craser, appareil judiciaire. Et bien, je dis à vous, Stadion, je dis à même groupe Mounsayo, qui te déchaîné dans le niveau ça, ils ont assassiné le président au fond bataille. Parce que tout système, nan, pas oublier, c'est l'État qui a un chef d'État dans la tête. Li. L'État assassine le chef d'État. C'est apparaît l'État qui assassine le chef d'État. Parce que pas oublier, les oligarques corrompus, c'est l'État qui est dans l'État. Ils ont le pouvoir parce que c'est chef d'État. Normalement, peuple haïtien, messieurs, organisez, ils attaquent le président Jovenel Moïse. Effectivement, le président Jovenel Moïse, tu es nommé juge pour nègre. Mais ils disent, tenez bien, peuple haïtien. Même jodi, on va regarder même CSPJ ça, qui a plusieurs juges que le président Jovenel Moïse n'a pas voulu nommer, qui n'en volé, qui n'en zak malhonnête, Ariel Henry s'est nommé juge ça, dans CSPJ, peuple haïtien. Et bien, c'est même volé ça, qui trouve une situation qui est extrêmement compliquée, côté que l'international a demandé pour faire passer dans l'appareil judiciaire. Là. Et bien, je dis à ces volants qui Ariel Henry nommé dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire, qui c'est CSPJ, c'est eux-mêmes qui décident pour trier qui groupe n'est qui pi volant en bas dans le cabinet de destruction, comme commissaire gouvernement, comme juge de paix, comme n'est qui avocat qui est affilié dans le sac de l'ordre de Samaveyo, ils ont choisi
pour écarter le système. Nan. Mais son système Boosta John, oui. Son on tabou la raza qui pour faire la dedans parce que tout nègre c'est volant que yoye Boosta John. C'est gang que yoye, m'a dit nous gagne bagaille. Je dis à peuple haïtien, nous devons connaître que yon juge d'instruction, pardon, que nous allons mettre sous liste ça, ou pas, on met considéré le pi volant, pi gang, pi assassin, pi kidnapper, pi tuer, pi cruel que ISO 5 secondes village de Dieu. Et m'a dit nous ça encore une fois. Yon juge, que nous même groupe gang ça qui dans CSPJ parce que m'a oublié nous c'est volant qu'après les abat volant vol Boosta John c'est volant qu'après les barri volant c'est pas mon début qu'après les comme si m'a dit abat mon début imaginez bien au jeune Jean-Joseph Lebrun actuellement là que Ariel Henry nommé comme président de la Cour de cassation dans les États-Unis d'Amérique que c'est la Cour suprême puis au coup du système judiciaire pays là et bien normalement qui est-ce qui nommé Jean-Joseph Lebrun c'est Ariel Henry si Joseph Lebrun était sérieux. Est-ce que nous pensons que M. Tap jamais accepté pour que Ariel Henry nomme comme président de la Cour de cassation? Alors, ça comme est. Si, qui est-ce qui signe aujourd'hui dans le document pour écarter une quantité de juges dans le système? Non, c'est Joseph Lebrun qui prend de signature. Comme si Joseph Lebrun pensait que président qui nous prend bataille avec la population haïtienne, la paysanne haïtienne et la diaspora haïtienne pour que nous aider le prendre pouvoir parce que son président qui va élu démocratiquement et cap bourré avec légitimité parce que nous va forcer le peuple à voter, le peuple à prendre responsabilité. Alors, Joseph Lebrun pense que le président qui va élu démocratiquement à travers les élections que nous va faire avec pays, monsieur pense que le président ça va fonctionner ensemble avec comme président de cour de cassation. Est-ce que vous comprenez ça, John? Monsieur pense que comme si le président va fonctionner comme ça, et bien papa, il ne sait pas m'expliquer non. Normalement, l'autre, à pas d'éclatement ça qui gagne dans l'appareil système judiciaire pourri ça, que groupe coalition d'assassins gang kidnappé prend en otage là, et vous venez jouer des petits volants, des gangs, des assassins, des kidnappeurs, des gens qui pas voulu bien moun dans le pays, qui à savoir Dorsey Berto, avocat Dimitri Vob et conseiller Dimitri Vob, allié sûr de Dimitri Vob, chef de gang dans le groupe gang Dimitri Vob là. Et vous jouez, yon commissaire gouvernement pas sérieux qui a volé Kaimoun, qui a volé Kaimoun dans Delma qui est le Jacques Lafontaine. Et m'a nous des preuves tangibles et irréfutables, Boosta John. Moi qui des preuves tangibles et irréfutables. Je dis à mon commissaire gouvernement lui-même, lui cite là, lui voit pas péter brebant moi pour me dire, mais tel Kaimoun volé, mais tel terre ou volé, mais comme le combat de jeune la donne, mais qui groupe gang moute sa vassa mavel pour te faire volé Kaimoun ça avec Kaimoun ça au baou. Parce que moi, yon l'info bête. N'a gandé yon qui pas jamais fait vapeur. Et m'koun pas de Westland bien, m'koun n'a gyo bien Boosta John. Écoutez bien, papa ici. Je tiens nous à travers éclatement ça qui est là. Ou pour dire nous c'est des vérités absolues. Et m'a dit nous ça clairement, c'est volant qui a dénoncé volant. Ou je ne dois c'est bientôt. Qui connaît que le commissaire gouvernement ça qui quand il y a des gens qu'il a libéré en bas pour faire petit cobli. Et bien bientôt dans ce lui-même qui est ministre justice avec groupe cabinet qui se coalition d'assassins qui est en tête lui. Et comme le Robinson Pierre lui, actuellement qui est en prison dans le pays international pour qu'il y ait des armes qui ont été portées sous bateau, misclines dans le port de paix qui nous parle ensemble avec la Boosta John. Et bien normalement, oui. Ou vin jouen côté que Dorsé Berto organise là pour que les bons gens frappés, parce que pas la quitter, ne yon pas mette, commissaire gouvernement Lafontaine sous liste pour comme moun pour yon supposé écarter dans l'appareil judiciaire là. Monsieur organise parce que yon un groupe moun qui pas sérieux. Parce que pas oublier, c'est yon même entre yon qui te organise, qui te choisi. Qui est sur le nommé dans CSPJ? C'est Dorsey Berto avec Ariel Henry, Dimitri Vob qui choisit qui est sur le nommé comme juge dans CSPJ. Parce que c'est Oliga Kompou qui choisit qui est cap cap dans le conseil pouvoir judiciaire. Est-ce qu'on comprend Boosta John nos pays? Quand c'est des nègres qui finissent touiller, yon président de la République qui a choisi qui est cap vin choisi comme c'est d'adou comme conseiller, comme conseiller dans CSPJ. C'est nèg qui vient de président, nèg qui va go comme ça. Ça veut dire que nèg va organiser yo pour mettre pied à terre pour assigner pousser pour qui contrôle système pouvoir judiciaire comme si on a dit de génération en génération pour que justice pas jamais établi dans cadre dossier assassinat président paysan qui c'est président Jovenel Moïse. Boosta John TV, fond mes amis plateforme Boosta John. Et bien, ça qui passé, c'est là que nous t'avons connait que Dorsey Berto t'est libéré deux colombiens et alors deux mexicains qui t'est que ont prendre en drogue dans ville Okaï. Dans le département sud pays. Combien de cop monsieur de prend dans mes nan moun sa yo, il te prend $250,000 américains. Ça dit bien oui. Après ça colon alors ça mexicain sa yo traversé en République dominicaine et puis zami qui ont été gagné dans prison pénitentiaire nationale, yo a écrit ensemble avec yo, y a trip sur nèg yo a dit nèg yo parce que malheureux nous n'a fait drogue, nous pas gagne cop de réserve. Je dis c'est l'argent qui mettem là même sous plage la Boca Chica m'a calé comme
sous plage Boca Chica ou Dominicaine, mais m'ap calé comme et dans 3 jours encore m'ap traverser dans pays, m'gal prendre plaisir. Ça veut dire que nèg radio c'est l'argent qui mettait le dehors. Ça c'est qui est-ce que ça c'est commissaire gouvernement qui va vérité ça. Est-ce que vous comprenez? Qu'on y a là ça qui est important pour que nous connaissions. Donc ce qui est extrêmement important après des éclatements ça qui fait dans le système judiciaire là que a demandé un chambardement total pour que la population elle-même connaisse que ou pas n'a jamais une justice parce que l'organe tout juge ça qui n'en vole qui n'en kidnapping qui n'en association malfaiteur qui vole caïmoun parce que moi tout ça bien vous savez ça qui faut ouais. Il y a une diaspora qui redit États-Unis d'Amérique, Canada, la France, qui a acheté une cité, qui a construit une cité dans le pays d'Haïti. Depuis qu'elle a fait 5 mois, pas de monde qui vient là dans Zep pousser là-dedans, s'entendait à tout, juge avec commissaire gouvernement. Et puis, vol, raquette, et n'est-ce pas pour vite l'homme, qui est organisé rapide là, il fait dossier, il change papier, il prend le caïmoun. L'homme nous-mêmes, soit il crase au parti dans le cas là, ou du moins si on met l'autre barrière, on péture, on modernise le cas là, et puis on peut jeune cas habiter normalement. Et l'homme vient comme monde qui a la justice. Pour répliquer, et mais juge là, à fond façon, il va rendez-vous sur rendez-vous jusqu'à ce que le groupe gang fin organisé, il va faire filature sur vous, et puis le tribunal là, il va assassiner vous. Et comme ça, qu'il y a fait, c'est des juges. Je dis nous ça en diaspora, ils sont en capteur de là, et il faut mettre ces gens qui comptent dossier ça très bien, et je dis nous tôt ou tard, en pile de gens qui perd du caillou, terre dans le pays d'Haïti, je prends vous dire dans ça là comme témoin, moi-même bientôt, je fais bataille ça avec eux, et je fais récupérer parce que je compte dossier ça très bien, je compte association malfaiteur justement, qui vole le monde dans le pays en définitive, je vais vous donner des informations sur eux, et je vais bataille ensemble avec eux. Et ça cause Gounet que je profite pour me saluer, sous point ça, qui c'est Rose Mongeant. Rose Mongeant compte dossier ça très bien tout, et les campés la défendre en pile diaspora haïtienne, qui perd du caillou dans le pays d'Haïti, qui est une politique, volant avec nous qui est dans le pouvoir judiciaire, volant. N'a pas avancé avec un dossier qui est extrêmement important et sensible pour Stadion pour que nous finissions avec ça. Oui. Très bien. Faut dire tout. La bataille qui, heureusement, j'ai appris à là. Très bien. C'est peut-être ça qui nous demande de population pour nous faire une seule force pour que la bataille soit capable de arriver côté de l'Alia. Parce que, heureusement, j'ai appris combien de fois la bataille, mais qui voit les SAO, c'est eux-mêmes qui ont monopole là, mais il faut que nous vidions, il faut que nous retirions pour que le peuple soit capable de joindre tout ça qui est même des besoins pour que des mounes. Des vrais mouns, pas des restants à la mort, pas des restants mouns, des mouns capables de rentrer dans l'institution pour sa bataille pour capable passer en deux pays. Parce que présentement, là, son petit volet, son pilier même qui fait tout couper ensemble, faut que nous déraciner ça dans l'équipe là pour nous capables de retirer tout bien nous réclamer, pour nous récupérer, pour nous mettre en prison. On met à les frères. Très bien. Papa Isien, moi, pour aller expliquer nos bagages qui est extrêmement important, parce que moi-même, En tant que nègre petit paysan, et que je dis que un groupe voleur criminel assassin qui est le tête de Port-au-Prince, depuis qu'il est arrivé dans la politique, mais justement, il n'y a pas prendre mon monde comme si nous avons dit pour toi le pied même. Il n'y a pas respecter nous, il n'y a pas prendre nous pour rien. Automatiquement, nous arrivons, nous faisons effort pour nous venir au niveau, mais même il y a une façon pour nous départir, nous, soit nous assassiner, soit nous faire nous courir le pays. Et mais de fait, moi, la stratégie que j'ai développée, c'est parce que, ouais, la majorité des gens en dehors, c'est des gens qui ont une conviction, qui ont une honte, qui ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais ma, quelque part, tout, en pile de gens en dehors, tous les volants de bœuf en dehors, comme moi et Jean-Charles, les gens viennent pour le prince, ils viennent gros leader politique, ils viennent comme Simdadjou, pire avec que les gens prince. Nous, en pile, par exemple, il y a la tortue, André Michel, la montagne Jacmel, ou un ex-saint, les gens pour le prince, ils ont plus volant que les gens prince. Parce qu'ils ont quitté le pays pour voler. Est-ce que vous comprenez, ils ne sont pas sérieux depuis petit. C'est n'est qu'on a fouillé, comme si vous avez mis dans valise élèves pour voler les choses. Depuis petit, vous avez gâté. N'a pas avancé, papa, ici, avec un dossier qui est extrêmement important. Nous gagnons un dossier qui a des âmes dans le port de paix, qui te font pile parler, qui te fait gros scandale. Quand il y a des gros monde qui prend un code dans le dossier, c'est ça. Et c'est après pour la première fois, Busta John, qui a appelé le mari un gros baron qui sont madrés dans le système judiciaire. Là. On a qui connaît que le madré, il a contrôle appareil judiciaire là, tout juge ses amis, tout avocat ses amis, tout le secrétaire général puis gros barreau dans pays hein, qui c'est barreau de Port-au-Prince. Nous ça relé Robinson Pierre. Et mes papa ici ka gizon zam dans port de paix. Moi même c'est ça qui fait que m'a dit les États-Unis d'Amérique si on ba nous bourade bali concrètement parce que nous connaissons ou des dossiers ça qui fait que y a maré monsieur Sayo. Si on ba nous bourade là ba nous concrètement. Justement, pour qu'on ait Zamna, c'est Dimitri Vob qui organise avec le groupe Negli Olotboa qui fait acheter toutes Zamna avec cartouche pour voyer Baïbès Metro Dossi. Faut que nous retracer. Oui. Faut que nous retracer. Moun qui te pote Zamna avec cartouche sous bateau, nous qu'on kali, nous gardons li, adresse là. Vous savez, je me suis dit, ma bas adresse là, ma bas tout dossier net là même. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, Negli organise, équipe Dimitri Vob là, acheter toutes Zamna
avec cartouche et puis yo vinn mettre sur un bateau dans Miami. Malheureusement, bateau ça c'est pour yon madame qui relait Miss Lily, Marie relé Jonas peuple haïtien. Tendez bien. Et moi m'a dit nous ça je dire. Ça qui fait m'a parler de dossier ça c'est parce que moi nèg yo prend responsabilité yo pour détruire la paysannerie haïtienne, pour détruire la classe moyenne haïtienne et pour détruire complètement la diaspora haïtienne qui décide pour faire effort pour travailler dans le pays pour aider les gens dans le pays. Écoutez bien, famille. Normalement, le dossier a été compliqué dans mes messieurs. Bateau Zamnan, alors, quand ils ont cartouche là, embarqué dans le bateau, mais ils ont bien préparé les bagages, ils ont mis. On va dire, le bateau arrivé, le bateau après arrivé, pour des paix, n'importe quoi, des paix. Tu as gagné environ 3 machines officielles. Que ministre justice là qui s'est dansé Berto voyait aller avec des officiels des policiers bien armés à chercher cargaison cartouche pas oublier c'est 125 000 cartouches peuple haïtien qui t'a pas touyé monde dans Port-au-Prince touyé monde dans Croix-de-Bouquet touyé monde dans la Tibonie peuple haïtien 125 000 cartouches plus zame sous lui et ben oui le bateau arrivé dans port de paix dans et agent douanier là et que bateau pas débarquer Jonas qui se marie Miss Lily présent sur le lieu mais justement bateau boîte a sorti parce que pas oublier dans pays d'Haïti yo pas mettre matériel yo pas mettre des appareils sous port ou bien sous wafla qui pour lever alors surtout dans port de paix qui pour lever boîte sous bateau yo c'est manuel yo fait c'est moun qui le vil veut dire si boîte la trop lourd c'est plusieurs moun qui mettent ensemble pour lever le mettre dehors yo beaucoup gagne beaucoup acheter matériel pour ça et ben normalement peut pas ici capitaine de nous là et pendant que a lever boîte n'a constaté que boîte qui plus gros yo c'est 2-3 moun qui le vil bon boîte qui plus ou moins petit bon boîte en moyenne boîte mais regardez ouais c'est n'importe 15 à 20 moun qui lever boîte là tellement boîte là lou Busta John kounya là Marie Miss Lilian qui c'est Jonas, pas que résister, monsieur Mandé, agent douanier, pour qui ça ne pas font vérifier, ça qui fait le loup comme ça, pour qui ça le loup comme ça, parce que monsieur pensait que, il y a un pile de monde qui compte porter, moteur, machine, nous c'est des boîtes, et puis départir moteur net pour que vous pas de douane moteur. Qu'on y a là, pour que vous pas payer pour moteur, en tout quelque part sur le bateau. Et bien justement, monsieur Mandé, vérifiez bateau ça, vérifiez boîte ça pour essayer, c'est pas quelques moteur qui n'a eu crasé, mettez là-dedans. Qu'on y a là, agent douanier, pas de fait tête raide. Yo commencé ouvrir boîte. Là yo commencé ouvrir boîte que yo rad Marie, Sachet Marie, Pepe, descend dans boîte là ou le trouver dans cœur boîte là. Là yo regardé ouais, c'est plusieurs comment les caisses qu'il a dans les ouvert ces caisses yo, là yo regardé ouais c'est cartouche qu'il a dans Busta John. Kounya a Jordan yo font seul bruit. Là mon demandé ça gagné, là yo dit vinn garder, là Jonas vini. Jonas ouais c'est cartouche. Et puis, à l'occasion de venir, il y a ces cartouches, rapide, il y a la police, il y a les JDP, il y a les directrices de douane, il y a venu, il vient monter sur le bateau, il a commencé, il prend toute boîte qui semblait ça, il a empilé en côté et puis il a vérifié. Évidemment, Busta John, toute mes équipes dans ces bateaux exactement sous poids, en pile, il a commencé à replier, il a commencé à faire bac, quand il a commencé à quitter poids, et mais justement, comme il y a le gouvernement, la JDP là, et responsable départemental police à l'époque là Lila et puis Jonas là et puis nèg va vérifier moi même pas de problème pour dans un premier temps yo te kembe Jonas en tant que propriétaire bateau c'est normal pour que yo kembe pour questionner et mais pendant que yo kembe Jonas c'était pour faire diversion pour stadion pour capable mander monsieur négocier pour de c'était capable passer comme il dans la poste mais n'yo pas connecté comme si n'a dit si international te gen tan yeux sur dossier et décider ba en bourette quelque part. Parce que sinon, nous avons pris un dossier et puis casser faire couvrir ça. Nous avons fait une façon, nous avons arrêté Jonas. C'est que nous n'avons pas de problème. Nous avons attendu Jonas. Jonas dit exactement comment il a été passé. Et tout agent douanier, selon l'enquête que le CPJ mène dans le port de paix, dans le port de paix, tout agent douanier a un seul langage, une seule parole qu'il a dit. Il a dit effectivement, c'est M. Jonas par curiosité qui m'a demandé nous pour nous vérifier parce que monsieur pensait que c'était le moteur qui a été porté en dedans de la boîte. Normalement, Busta John, Yovin, alors, avocat Jonas, qui est en contact avec Madame Jonas, qui est Miss Lily, yo, Madame n'a payé avocat, yo, qui pas plus qu'on 5 à 7 000 dollars américains qui ont payé tout le cabinet d'avocat. Et bien, rapide, vite, nous avons préparé Pierre Espérance dans Port-au-Prince. Pierre Espérance a produit un rapport, il dit que Miss Lily, bah, 200 000 dollars américains pour libérer Maria, qui c'est Jonas. Parce que Zamir, c'était pour Monsieur. Pendant ce temps, c'est menti.
Et bien normalement, international l'a dit de CPJ, fouillez zone en Kaladou dans le dossier, cherchez toute vérité dans le dossier et marrez tout le monde qui est dans le dossier. Parce que pas oublier Boussa John, m'a dit, famille amis plateforme Boussa John ça. Nous même en tant que haïtiens, nous avons une institution qui est le DCPJ. Oui, nous avons des enquêteurs qui sont très compétents. Mais malheureusement, m'a dit nous ça, c'est nouvelle qui m'a dit nous. Nous pas même gain 50% dans le DCPJ. 60% dans le DCPJ, c'est pour l'ambassade américaine qui est liée. Et m'a dit nous ça clairement, c'est une vérité qui est liée. C'est ça l'ambassade américaine qui m'a demandé pour faire, c'est lui qui a fait. Si l'ambassade américaine ne permet Dieu le grand bagaille, la classe politique n'a pas quitté au fond rien. Parce que y a peur, groupe politique, là, parce que Frédéric Lecomte, il travaille avec des politiciens et il se même petit système ça. Et mais, l'ambassade américaine demande pour des CPJ, enquête plus dans le dossier ça et marrer tout le monde qui fait entrer ça. Les offres filatures, ils retracent que Zamio, c'était pour dorser bientôt qu'il était. Et qu'il y a plusieurs machines depuis 3 jours qui ont le temps de cager son Zamna avec Ballon, non pas de paix. Moun pas de bête témoigner ça tout quelque part et chef de la chef police là comme si n'a pas de porte de sortie. Moun qui ont arrêté dans quatre dossiers là ministre justice alors commissaire gouvernement arrêté et ben ministre justice là pour capable font simile là pour faire diversion li mettez ministre justice là comment le commissaire gouvernement en disponibilité ça veut dire qu'il révoque elle et puis tout de suite après révocation de ce régime de monsieur pour le temps d'il rapide marrer commissaire gouvernement dans quatre dossiers là jusqu'à quand il m'a pas la voilà commissaire gouvernement en prison et puis dossier pas avancé toujours ou vinn joine. Qu'on a presque arrivé sous dossier Beto. La DCPJ, relé dossier Beto, il dit, ministre, oui. Moins besoin d'attendre responsable cabinet là, conseiller là, qui c'est Robinson Pierre-Louis, en tant que secrétaire général, Bao de Port-au-Prince, encore peu pas ici. On m'a adhéré dans le système. T'allez, pas mon seconde, pas mon seconde, Beto. Très bien. Pas mon seconde. Mesdames, messieurs, tendez bien ça qu'on dit là. Pas tant d'elle comme si c'est parlé à parler là. C'est information qui va tomber là. Nous parlons sacrifier Mounsa qui va le nommer là. Qui se bras droit Beto Dossé. Qui côté qu'il y est. Et comment Beto Dossé lui-même. Parti pour moi. Beto. Très bien. Effectivement, et famille, amis. Chanel Boustadion, capitaine de nous là, encore une fois, me salue nous pour patience nous et me remercie nous parce que nous faisons effort pour que nous tendez la vérité qu'a parlé sur Chanel ça, qui c'est Chanel Boustadion. Normalement, Boustadion, Jacques Mdioulan, DCPJ commençait à retracer effectivement moun qui te fait rentrer Zamio. Parce que Miss Lily avec Jonas, bah, toute information sur moun qui te vient déposer comme boîte sous bateau. Et Miss Lily qui est en joint adresse Mounsa côté lié aux États-Unis d'Amérique. Yo pote plainte pour Mounio États-Unis. Et ça que m'a dit nous dossier a marché plus tout. C'est parce que Miss Lily pote plainte pour Negio depuis États-Unis. Et moun libère toute vérité, yo retrace des CPJ qui toute information dans dossier. Yo que Mounio pas coupable dans rien du tout. Et mais qui s'est passé? Dossier Beto tout qui tendait des CPJ relé pour le mandel pour mettre chef cabinet là à la disposition des CPJ pour que monsieur vienne répondre à question des CPJ sous dossier car ils ont un bon de paix. Kounia là. Très bien. Oula Boussa John. Oui, chef qui ça a demandé de mettre de côté. Chef cabinet d'Orsay Betoa qui c'est Maître Robinson Pierre Louis. Il y a un madré dans le système là. Chef cabinet. Chef cabinet Beto Dossé. Oui, en tant que ministre de justice. Chef cabinet ministre de justice là. Oh. Et en même temps, Boussa John, je dis non, qui est grave toujours, c'est secrétaire général. Bao de Port-au-Prince, Bao numéro 1 pays, puis gros Bao dans le pays. Et c'est qu'on y a compris que M. Doval tape 3 petits pour te mourir dans cette coalition d'assassins ça ou en bas. Eh bien, Jacques me dit nous, et dans ce bientôt, pendant que M. Thomasin, il m'a dit nous ça clairement, M. Thomasin 32, M. Boyon Bouillon en dedans Thomasin 32, besoin 8 et 10 soir, justement, m'a venu avec Jouan pour nous parce que j'ai tout le dossier clair. Monsieur Relé, et chef cabinet là, qui c'est Robinson Pierre lui, monsieur dans cabinet, monsieur dans cabinet ministre là, il dit, Maître Robinson, et que DCPJ, t'as un faut t'en dire, dans le cadre de ce qu'on connaît, nous connaissons. Kounia là, il dit, monsieur, mettez aller, c'est juste que tu question que tu as posé, après ça, tu mettez pas un problème, n'importe ça, ou ça, tu as posé, ou ça, tu as un petit problème, ou mettre les m'a géré ça comme problème. Parce que, pas oublier, son ministre de justice qui a parlé pour le stadion. Ministère de la justice, garde des sceaux de la République. Les gens qui ont été sont kidnappés, sont assassins, sont criminels. L'imande, responsable cabinet là, allez,
DCPJ pour DCPJ questionne. Robinson Pierre-Louis. Justement. Allez, m'a réglé ça. Oui, m'a réglé ça. Robinson Pierre-Louis qui sentit que les premiers ministres, les ministres de justice, les responsables cabinet, les conseillers ministres de tout, et bien, normalement, j'ai débarqué DCPJ en Chango. Mais c'est pas même respecter côté institution côté le Braléa, qui c'est la DCPJ. Mais c'est là un petit zèle maillot blanc sous lit, Boosta John, fond mes amis, plateforme Boosta John. Un petit zèle maillot blanc sous lit. Là, il s'est arrivé dans la DCPJ. Il s'est dit que oui, je suis Robinson Pierre-Louis, tel bagay, et que DCPJ t'a besoin, attendez-moi, me faire venir là, et que pour me connaître de qui ça que vous voulez questionner. Et bien, voilà, responsable, enquêteur de DCPJ, yo, il y a les gens qui parlent d'audition de M. Ya. Ils ont dit, cher maître, mettre font chita là. Dans quelques minutes, n'a vite font petit balancement avec vous. Avec sagesse. Mais c'est là, Robinson Pierre-Louis a parlé, ouais, que boile pour un moulin pour stadion. Ça qui passe, ils prennent maître Robinson dans le grand salon côté de l'IA. Ils rentrent dans leur petit chambre ensemble avec elle. Et puis, ils ont questionné maître Robinson de dossier cargaison ZAM, cargaison cartouche dans le port de paix. Qui est venu sous bateau, Miss Lily. Et mais ça qui passe, Boosta John, et Robinson a fait gros gorge. La baye menti, qu'on a la DCPJ, commence à râler dossier pour monsieur. Tout ça que l'autre monde baye, commissaire gouvernement baye, l'autre monde baye dans le dossier, DCPJ prend tout dossier, qu'on a répété monsieur, 1, 2, 3, 4. Qu'on a monsieur vu, ouais, que, il y a des preuves tangibles, DCPJ c'est pas sérieux, il y a pas de samavel, qu'on a monsieur commencé à respecter. Monsieur a répété, on sait des vieilles bêtises au niveau de DCPJ. Et c'est bon, j'ai l'information qui m'a pas non. Il me dit, cher maître, eh bien, bon problème là. On met un petit temps de nous là, on met un petit temps de nous là pour tourner côté pour nous questionner. Mais qui côté, dossier t'a pas compliqué. Dans l'espace côté, on met monsieur là. En dans pas de chaud, dans le même moment, Robinson Pierre-Louis commence à vider, commence à transpirer par l'eau, tant que ça pas qu'on est Boosta John, sous le monsieur est capable de tordel, mais justement, il n'importe bête de l'eau. Tellement, monsieur souhait. Monsieur vient de problème. Monsieur vient de dire que là pour tout bon. Dans le même moment, monsieur vient de faire téléphone, monsieur commence à faire contact. Dossier chaud, dossier prend la oui. Il faut mettre une information. Nous courons, monter nous payons pas l'information. On a nous dit, nous avons qu'un dossier, ça là, nous constat continue à frapper. Moun Miss Lilio avec El Shaddai, commence à jouer une justice. Robinson Pierre-Louis, passe la première nuit au niveau des CPJ. Et puis, dans demain, tout, comment est tout groupe criminel, gang, association malfaiteur, groupe kidnappeur, qui prend le système judiciaire pays en otage là, qui kidnappe à pas judiciaire là, ils ont tout à demander libération. Mettre Robinson Pierre-Louis sans condition pressé. Ça veut dire faire pression sous DCPJ. Mais on peut qu'on connaisse si c'est États-Unis d'Amérique avec le Canada qui a dossier. Tout le monde va le freiner après. Ou bien tout le monde frappe la Boosta John. Et bien, ouais, la classe politique haïtienne commence à frapper, à demander la DCPJ pour qu'elle libère et comment le secrétaire général de Port-au-Prince et conseiller ministre pour libérer M. sans condition. Pressé. Et bien, DCPJ te dit lui-même, il n'est pas responsable à faire travail. DCPJ, après quelques temps, il a fait une prise de monsieur, cuisine de monsieur, il a voyé monsieur descendre en bas dans la pénitentiaire nationale. On a fait une joie. Madame, ça, on tire comme un sans cœur, on tire reste avec qui. Gaban Ultra. Gaban Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sort dans le laboratoire. Il est là pour combattre ça et les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas qu'un petit tout. Il y a 15 capsules là-dedans. Les fait pour prendre une capsule 30 minutes avant elle fait bagay. Yo relé ça, yon dynamogène action rapide. Pas oublier qu'il y remplacé 3 produits Gaban yo parce qu'il est plus puissant. Malheureusement, vient remplacer Maître Doval dans la mauvaise condition après l'assassinat de Maître Doval qui dans le barreau de Port-au-Prince. Madame ça a sorti plusieurs notes pour la demander libération Maître Doval. Eh bien, madame n'a gardé le dossier et pas de gens que, avec gros points, tu es capable de prendre Robinson Pierre. Parce que pas oublier, lorsque Robinson Pierre, lui, qui est avec tout avocat, tout juge, qui est-ce qui va attendre ces juges qui sont en mille, tout le monde qui va attendre ces gens qui parlent, et puis lui, il arrive devant le juge. Doyen Benassinville comme Pigo Koro, puis passer le volo, reste avec Choul Mateli, Choul Original Boulos. Lequel, monsieur, il vivait devant monsieur, monsieur, pas qu'à libérer monsieur, parce qu'il a demandé une libération pressée sans condition pour monsieur. Benassinville, pas qu'à prendre engagement, parce que il a senti qu'il y a trop de blanc derrière, parce que le pays d'Haïti, c'est le seul blanc qui est au peu, Boosta John. Eh bien,
Oui, monsieur. Dossier nèg yo vinn prendre dans moulin. Beaucoup n'y a Boosta John. Mais ça que m'kal ba nous comme information. Fami zanmi channel Boosta John. Dossier bientôt pral fâché. Monsieur pral fâché et monsieur pral faire déclaration ça que m'bra di nous là. Dossier bientôt samenté. Sous vili. Monsieur dit là en bon créole peuple haïtien n'a permettre moi pour expression. Monsieur dit là fout saisi bateau Miss Lilia avec tout bateau El Chadel peuple haïtien. Monsieur dit là saisi bateau yo. Moun sa pap jam gen bato sa anko. Parce que moun sa ou, c'est Emma et Jonas qui fréquent dans le niveau ça, qui pape de négocier, qui choisit par curiosité qu'elle fouille boîte li, qui fait que je ne sais pas, et bien monsieur dit décide pour la faire moun payer ça. Et de fait, quelques temps après Boosta John, n'a utilisé Konal, qui sont institutions qui là qui bougent de ces drogues dans le pays, avec Kai Moun qui Kai Drog de la qui ont saisi. Et bien, Boosta John, n'a fait forge en papier, il fait. Les soi-disant l'État haïtien saisit bateau Miss Lily et bateau El Chadaïla. Et au prend bateau, yo, yo remoke yo, yo rentre port au prince ensemble avec yo. Moi, je n'ai information, hein? M'di population, hein? Mais ça kap fait dans quatre dossiers. Yo décide pour faire moun yo abus d'autorité. Même voleur, même kidnapper, même assassin, même méchant, même criminel qui nan, qui nan système judiciaire, hein? Qui fait rentrer katouche yo, mais c'est eux même qui encore qui décide pour saisir bateau moun yo. Et ça qui nous doit connaître comme nouvelle Boosta John. Nèg yo rapide vite décider pour que yo vende bateau moun yo. Qui est-ce qui décide pour c'est prendre bateau à Boosta John? C'est équipe Kiko Saint-Rémy, Renel Le Récif, Gang Galil la peuple haïtien. Et dans moment côté m'a parlé avant là, moun qui était en charge soi-disant pour te vendre bateau ça, c'est Georges Racine, Beaufré, Michel Martelly. Yo déjà vendre bateau El Chadaïla et yo vendre bateau Miss Lilia, yo remoqué bateau El Chadaïla. À 2h du matin avant hier, yo rentré porte pour ensemble avec Kounya la bateau missilia, monsieur que parce que c'est dans une cap volo bateau yo, monsieur que il y a vraiment que la soin pour rentrer pour au prince ensemble avec tout peuple haïtien. Eh bien, quand tu m'as parlé voilà, attendez bien oui, qui est-ce qu'on est capable acheter bateau là? C'est même groupe Gang Galil là, c'est Kiko Saint-Rémy avec Renel Le Récif, nous sommes gens qui ont arrêté dans kidnapping avec son la famille peuple haïtien. C'est qui est-ce qui va venir en charge pour te venir? C'est Georges Racine, Beaufré Michel Joseph Martelly. Moi-même, je dis nous ça, peuple haïtien. En pile, nous, capitaine de la Boosta John, pour qui c'est mon port de paix. Mon cap haïtien, mon nan grand nord en général. Paysan, même j'avais. Toute douleur, yon paysan, monsieur que, c'est pour toute la paysannerie haïtienne. Toute douleur, yon diaspora, monsieur que, l'état supposé douleur, chaque haïtien qui vit dans la diaspora, qui travaille dur. Je dis à mes amis, moi-même, yon l'aime bientôt. Si, nous pas tout qui te respecte tête moi moi pas quoi que nous t'a bonne possibilité pour n'a tendre dans médias nous pour que j'entende nèg galon dossier qui louche pour moi je t'am dit moi j'ai bon genre information et que c'est abus d'autorité c'est voleur criminel assassin qui décide pour faire malheureux ça ou abus qui travaille du États-Unis pour acheter un bateau pour faire port de paix pour aider moun Miami qui c'est mon port de paix pour aider moun port de paix qui vivre port de paix pour te manger pour moun yo pour te tenir pour moun yo. Mes amis, pour nous décider, pour nous saisir le bateau de Mounio Boosta John, pour nous voler le bateau de Mounio parce que nous avons au pouvoir. Et comme ça, qui est grave là? Il y a plusieurs personnes qui viennent côté Miss Lily. Ils ont dit Miss Lily, je ne parle pas avec le président Martelly pour que le président Martelly fasse Georges Racine ou fasse remettre le bateau. Vous avez bien oui? Oui. Il y a des gens qui demandent Miss Lily pour Miss Lily Bali 450 000 dollars américains. Oui. Et ça m'a dit nous là? Il y a des gens qui demandent 250 000. Il y a des gens qui demandent 250 000. Il y a un qui dit, on met 150 000. Miss Lily dit. Bon, ajoutez vous. Très bien. Bon, ajoutez vous. Bon, ajoutez vous. On qui va carrément quitter Miss Lily. Tellement, sœur avec frère, prend le mauvais coup présentement. Est-ce que vous avez un qui a un dossier à la main dans le moment là, qui a fait combat avec lui? Renan George. Qui va même ouvrir. Qui va même ouvrir avocat. Renan George. Renan George. Exactement. Renan George qui a mangé mon nom là présentement, qui a mangé mademoiselle là. Ah, mais c'est. Il pas même un vrai avocat, c'est dicté dossier là. C'est exactement. Ah, mais c'est dans ça. La problème, là, mesdames. Exactement. C'est dans ça que. C'est dans ça que diaspora toujours prend Boosta John. Il y a une coalition d'assassins. Qui est-ce? Renan George. Renan George, ses amis, Maître Robinson Pierre-Louis. Tenez bien, oui. Maître Renan George, ses amis Robinson Pierre-Louis. Renan George a demandé libération. Robinson Pierre-Louis, pressé, sans condition. Et mais malheureusement, Miss Lily pa ou pa konne, gon moun ki fait Miss Lily al pote dossier à Baron George, mais qui côté moun yo prenant la Boosta John. Kounya la peuple haïtien. Oui. Seul moyen pour que nous dresser situation ça. Oui. C'est force populaire là.
c'est exactement la diaspora haïtienne. C'est la paysannerie haïtienne. C'est nous-mêmes. Je dis, qui pour mettre tête nous ensemble pour nous dire. D'où les gens, c'est d'où les pâmes. Si y a fait ça, y a capable de force à tout même. Je dis à ce Mr. Lee, c'est El Shaddai, et bien de M. Dieve, c'est Pralion Lot. Si nous quittons ça, continuer à fête dans le pays papaïtien, nous ne pouvons jamais gagner pays. Et des fêtes pour ça, John, avec gros poignet. Parce que nous n'avons pas décidé pour mettre 450 000 dollars américains, nous n'avons pas décidé pour mettre 200 000 dollars américains, après tout le cobre dans le jeu, je finis de prendre. Et bien nous avons décidé pour ces équipes matérielles, même pour ça, John, équipe Gangalila, qui vend bas, qui soi-disant dit, l'État haïtien a fait vente aux enchères avec Batoa. Vente aux enchères là. Ils ont dit que c'est exactement René Le Récif qui vaut au monde pas en bas à l'acheter Batoa pour eux. Et bien c'est même groupe Gangalila qui a acheté Batoa. Batoa pour faire qui ça pour Stadion? C'est pour faire trafic. Zam sorti Miami pour entrer dans le pays d'Haïti. Et pour transporter conteneurs sorti par au prince pour aller au Caï, pour aller dans la marine, peuple haïtien. C'est parce que vous connaissez que gang yon mette sur Matissan, c'est pour faire travail ça pour eux. Je vous ai demandé. Nous-mêmes, en tant que famille, amis, Chanel Boustadion. Moi-même, je ne connais pas Mr. Lee ni en pète ni en peinture. Je ne connais pas Jonas ni en pète ni en peinture. Je ne connais pas El Shaddai ni en pète ni en peinture. Mais sauf que, moi-même, en tant que paysan, je dis ça clairement. Moi-même, je vais mandat ça même. Moi-même, je auto-mandat de tête comme mandat de la paysanne haïtienne. Je défends Boustadion et je bataille. Je n'ai pas besoin de comme récompense, je ne suis pas avocat, je ne pas juge, je ne pas connaître la justice. Mais sauf que, nous dit. Dossier ça, faut que nous fassions, remettre mon bateau yo, sans condition, sans yon goud, parce que faut que le peuple prenne responsabilité, faut que diaspora haïtienne attaque nèg sous toute forme, parce que ça n'y va pas passer. Faut que nous bataille contre ça. Faut que nous prenne responsabilité pour ça, John. Parce que ça, si nous quittons le passé, monsieur, nous garantons pour ça, John, ou pas qu'à fond dans le pays, ou pas qu'à fond dans le pays, quand des gros projets qui ont gagné, comme si nous avons prôné, côté que pour la diaspora haïtienne, nous mettons ensemble, pour nous garder comment, pour nous garder plus gros banques dans le pays, pour nous garder groupe secteur privé par nous, pour que nous contrôlions l'économie du pays, pour nous avancer le pays, parce que c'est nous qui pitent le pays, c'est nous qui éclairons, qui sommes capables de développer le pays. Projet ça pour ça, John, il n'y a pas abouti, non, ce qui est avec ça ou là, ce qui est crime, ça passe, ce qui est fait, comment les gens, les chalets, ça, mon monsieur Lio Sabou Sadion, faut que nous campions pour nous dire ça, il n'y a pas passé. Et faut que Mateli, avec groupe Gangalila, avec Kiko Seremi, criminel assassin, kidnapper ça, qui vient tuer le président, foutre mettre mon bateau en tant que criminel notoire. Exactement. Et c'est exactement ça, fait moi-même, je ne vais pas rentrer sous dossier, parce que nous, qui avons dossier à tout. Nous avons pile dossier sous dossier ça. Mais plus gros gaffe qui fait dans le moment, nous avons gardé Renaud George qui a demandé pour libérer. L'homme non. Mais c'est même Renaud George dans tout qui est avocat. Miss Lily. Effectivement. Avocat M. Bato. Est-ce que nous avons qui ça que Miss Lily est tombée? M. Bato, Miss Lily a tombé. Est-ce que nous comprenons, mesdames, messieurs? Même Renaud George, là, il a forcé pour le retirer, pour le libérer. L'homme non. Et c'est même Renaud George ça qui a volé comme l'homme, famille ça. Pauvre famille là. Pauvre famille là. Est-ce que nous comprenons, mesdames, messieurs? Est-ce que nous, ouais, qui. Là, nous parlons comme si nous vieux maladie, t'as pauvre Renaud George, elle dit pété. Nous ne pensons pas à dire, wow, 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 regardez, mon gars, mourir là, il y a des gens qui se posent pété, vieux, en pays. Ils sont méchants trop. Ils sont méchants trop. Et mon gars, tu vois, c'est rat, mort de souffler, ah oui. Et pour rat là, oui. C'est lui-même qui a fait comme sous le dos, non? Et c'est lui-même qui a menti pour libérer. Moi-même, je ne vais pas rentrer dans le dossier. Hein? Parce que moi-même, comme moi-même, je t'ai dit, bon, papa, ça me dit avec direction. Hein? Mais sauf que, moment arrivé, pour quelqu'un qui craint, nous mourir en Haïti, faut que nous disions. Faut que le peuple a fait. Faut que le peuple a fait. T'as libéré. Faut que le peuple a fait. Donc, vagabond, trop. Trop criminel. À quoi c'est dans le pays étranger, on dit, ah, mais nous sommes plus de monde qui va prendre rien. Nous allons manger sous vous, nous allons craser, nous allons finir avec vous. Nous allons finir avec vous. C'est pour la tâche que nous-mêmes nous demandons, en nous menant tête, nous comme plus gros secteur international là. Nous demandons, parce que je dis à vous faire bataille avec vous. Oui, je dis à la bonne nous très bien, mesdames, messieurs. Nous disons très bien. Il y a un bel dossier comme ça. Ou qu'on corps dans l'international là, qui sont faits. Ou pour un avocat international avec dossier qui a démoli. Mais l'on campé pour contre vous, ou était au dipon. Parce que faut que nous fassions force. Faut que force là capable de faire. Tout en nous pas font force. Mais il y a bataille. Présentement là, contre qui est-ce qu'il y a bataille? Il y a bataille contre
Miss Lily, met Batoran. Effectivement. Mais si nous avons une force en grand monde, nous n'avons plus que 50 000, nous n'avons plus que 100 000 qui mettent bouche dans le dossier et qui campent derrière la bataille ça là, contre Negio. Vous pensez que vous êtes capable de faire ça? L'or pour contrôler des grands monde, nous avons avec vous. Mais l'or en pile, ou mettez, ou font force, côté que tout réseau là, sur le dossier là. Vous pensez que ça n'a pas passé comme ça? Non. Et c'est la force là, là, oui. Plus que nous y est, plus que elle a la fait. Je tiens là, mon affaire pour Québec aussi, parce que c'est nous la diaspora, c'est nous-mêmes qui là, nous sommes force de la diaspora. Nous sommes dans la diaspora, là, grand problème. La force de la diaspora par le pied à la terre. Maintenant, nous disons, mais nous-mêmes, nous portons plainte même, la internationale, là, pour yo, parce que c'est internationale qui éteigne ces coulants. C'est internationale qui a dirigé yo. Je tiens là, ça fait où elle n'est pas capable de Québec battre. C'est même internationale qui fait au Québec. C'est même nous-mêmes, mais là, nous faisons force. Même je vais nous faire là, avec Justin Trudeau. Pour le mettre sur un barcode. C'est ça lié, oui. C'est peut-être que nous-mêmes nous disons force là la bon pour nous. Tête ensemble la bon pour nous. Union la bon pour nous. Force, l'argent la bon pour nous. Pas de petit groupe à gauche, petit groupe à droite, Berto. Je dis à la moi-même avec vous que nous avons bataille. Nous avons fait bon fini dans la bataille. Et Berto, je suis venu dans la bataille. La force, ouais, force réseau tellement qu'il a donné. N'est-ce pas idiot? Ou pas besoin d'occuper ou non, quand est-ce que nous campons là, l'international là, nous disons, ok, nous constatons que dossier Miss Lydia qui arrive en Haïti avec Michel Martelly, nous posons des actions devant l'international là, pas n'est pas libéré, non. Parce que c'est même international là, qui ont utilisé, qui mettent les nexa yo, dans tes pays. Maintenant, là, nous montrons que nous ne voyons rien, deux yeux nous fermés, ils ont décidé de faire ça, vous voulez. Mais moi, je m'en toujours dit, ensemble, nous plus fort. Pas gagner rien à pas démolir décision du peuple. C'est le peuple qui va le pouvoir, c'est le peuple qui retire le pouvoir. Présentement là, Miss Lily avec Miss Lily, il y a bataille pour contre, mais contre force qui vous derrière. Il manque de force. C'est peut-être ça que vous avez bataille pour contre. Il y aurait été pour contre. Regardez depuis que moi-même, je regarde aussi, je regarde le dossier, je ne vais pas encore rentrer là-dedans. Parce que, un, bon bagage qui a dit en Haïti, ça a dit en Haïti, maintenant, avec réponse qui est au bail, moi-même, je viens faire que je ne pas rentrer là-dedans. Mais si qu'on y a là, nous tous sommes ensemble. Nous disons, on nous fait une seule bataille contre Vagabond en Haïti. Nous disons, nous ne pouvons pas descendre pour nous, nous ne pouvons pas accorder, nous ne pouvons pas accepter l'international, nous prenons des décisions avec nous. Parce que nous tous sommes groupe, nous mettons tête ensemble pour nous plus fort. Pourquoi nous craser le monopole? Je dis, Haïti est capable de plus l'argent que nous-mêmes qui est international là. Mettez Reginald Boulos, si nous décidons de nous-mêmes l'international là, nous prenons 5 millions. Nous disons 5 millions. Nous décidons de prendre 2 millions de monde pendant un an. Est-ce qu'on pense que les gens sont capables de battre nous? Prenez 2 millions de monde pour nous pendant un an à 1 dollar pour un bagaille. Nous n'avons pas de force pour nous battre contre nous. Nous sommes capables de retirer l'international là. Des gros avocats internationaux qui vont démolir. C'est parce que nous pouvons prêts, nous pouvons décider. Je veux dire, nous dit, bateau Miss Lilian, c'est une des gros preuves en Haïti, côté qui n'est qu'une corruption pour des vrais. Faut que nous ne fassions pas vagabond ça. Côté que, ouais, Renaud George, lui c'est avocat. Et c'est même Renaud George qui a demandé pour libérer. Est-ce que c'est pas grave? C'est grave. Extrêmement, c'est grave. Pardon? Je suis capable de dire. Ça gagne là comme situation. C'est pour montrer que Boussa John, Mounio pas différent, c'est même Mounio. Pas gagne, c'est col ou colo prend ou pas colo prend, parce que c'est même voleur, c'est même association malfaiteur, c'est même groupe gang, et c'est même kidnappeur. Et moi-même, je dis ça comme citoyen haïtien, comme paysan, parce que je dis ça clairement, l'homme ou un groupe n'est décidé pour faire, on sait des paysans à but, surtout pour haïtien qui travaille dans la diaspora à but, mais quelque part, moi, je dis tête clairement, faut que je bataille, parce que Boussa John m'a goumé pour me tourner la caille. Mais si, moi, en situation qui a développé dans le niveau ça, si je ne suis pas pour me battre ça, pour nous gommer, pour me dire que nous avons une bataille, nous pas pour contre nous. Et je me dis, Miss Lily, il n'est pas pour contre lui. Et Chanel, il n'est pas pour contre nous. Je n'ai pas besoin de connaître nous. Je n'ai pas besoin de connaître nous du tout. Je n'ai pas besoin de connaître nous. Sauf que, ça que nous fait nous, je connais des messieurs qui ont ici, qui ont dans la diaspora, qui parlent les mêmes, qui parlent du coup, ça que, ben, tu mets un voleur dans le pays d'Haïti. Mais tel juge, mais tel monde voleur dans le pays. Ça veut dire que pour ça, pas répéter, son exemple qui peut tracer. Et ça cause moi-même, je dis clairement. Moi, la seule solution, parce que je me suis pour moi, je fais l'histoire pour moi que, non, cérémonie de Kaïman Boussa John, ce n'est pas quelque chose qui est important que je dis là. Non, cérémonie de Kaïman Papa Haïtien, je me suis dit, oui, qui te représente un symbole de, comme tu as dit ça, de changement. Qui s'est passé? Il y a une énergie de combat quelque part.
Son outil normal qu'elle paye. Qui ça le paye? Maintenant, dans la cérémonie de Bokaïman, Bookman, avec toutes leurs ancêtres, toutes leurs mounio, escavio, ils mettent ensemble dans la cérémonie. Moi, chaque monde avec une manchette bien longue dans mes poussades, et qui file one, ou qu'on est. Moi, chaque monde avec une manchette dans mes poussades. Eh bien, la manchette, je connais. Qui sa manchette la symbolise? Yo fait m'kone manchette la. Li symbolise pour nous, même en haïtien, énergie de combat, comme si Nadjou, comme si yon énergie, yon force. Comme si là nous décider pour nous prendre décision, même si que nous pas faire violence avec manchette là, mais manchette là, gon courant qu'elle traverse à nous-mêmes. Quel courant qui passait, gon énergie qui développe, gon capacité extraordinaire, qui pima nous plus force pour nous faire combat. Eh bien, moi, je dis clairement, je dis ya, pour nous capables marier combat nous avec force, chaque grand haïtien, faut que nous allions dans l'esprit dans cette noyau. Je dis à moi de chaque grand haïtien, pour nous avoir 2 millions. 2 millions haïtiens, nous n'avons pas besoin de plus. 2 millions haïtiens avec 2 millions manchettes pour Stadion. Même si nous pas pour manchette là, nous pas fond avec. Même garantie, 2 millions haïtiens avec manchette, à frapper dans toute rue, dans Port-au-Prince, frapper dans toute rue, dans Delma, tout côté dans le pays. Nous garantis, nous n'avons pas de criminels à bonne possibilité. Si on fait des traites quelque part, nous sommes capables de faire des sacrifices sous place constitution. Parce qu'il y a des gens qui pas doué là pour Stadion. Ce n'est pas tout le monde qui est là encore. Après 36 années, de comme si nous avons de souffrance, douleur, calamité, kidnapping, assassinat, disparition, exil. Qui voit à distance de la diaspora, il y a volé caillou, ou pas qu'à gagner dans le pays, il y a volé bien, ou pas qu'à investir dans le pays. Après 36 ans de douleur, ça, si son révolution qui pour faire une révolution de manière drastique, nous n'avons pas besoin de peur pour s'en couler parce que un pays pour une liberté, nous pas jamais fait cadeau de liberté. Liberté, c'est prendre que vous prenez ça. Pour Rwanda, avec Paul Kagame, tu es venu Rwanda que lui est jeune, je dis pardon. Mais justement, c'est une révolution sanglante qui t'est faite. C'est un pile sang qui t'est coulé. C'était presque 1 500 000 monde qui t'est mouru. Et même dis-nous ça, papa ici. Je dis, il faut mettre la tête li. Nous, sacrifier jeunesse, nous. Nous mettons la tête nous en sacrifice pour une bataille. Boussadjou mettons la tête en sacrifice pour la bataille. Jimmy mettons la tête en sacrifice pour la bataille. Madame Sarah, comme si je ne pas parler Haïti, tout l'autre qui est encore, Hébert Tochon, Madame Denise, tout l'autre haïtien nous, à bataille. Pour nous garder comment t'as retiré le pays, dans ce qu'il trouve là. Ou même quand t'as là. Quand vous venez dans la diaspora, prenez responsabilité. On nous dit, plus jamais, je ne suis pas supposé être dans le pays d'Haïti pour me peur parce que vous avez un cavolé. On nous fait une bataille. Je te imagine au stade pour nous finir. Quand vous voyez, ils sont les jumeaux, ils sont les jumeaux qui sont beau frère, John Joel, Joseph. Ils sont les jumeaux qui sont beau frère, qui sont frère, José Pierre, lui. Eh bien, ils sont les jumeaux ça pour Boussa John. C'est juste ça, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Qui t'a choisi pour que. Alors, Dimitri Vop débat mission avec Mini Justice qui s'est dans ce bateau. Tu t'es levé, scellé. Sous tout bien, la famille Vop, que l'État haïtien, la justice haïtienne, t'es posé scellé sous bien. Yo. C'est Hickinson et Dumé, ça, Boussa John. C'est dans ce bateau, ça qui t'est levé tout scellé. Tenez bien, oui. L'État haïtien, la justice haïtienne, t'es pris des décisions. Parce que t'es ouais que Dimitri Vop t'a fait sous facturation dans le contrat qu'elle t'a gagné avec l'État. Pour toute raison, ça, l'État t'a trouvé que faut le punir, monsieur, faut le saisir bien, monsieur. Il t'a saisi, comment le bureau sojourner qui était dans le calvaire. Et moi-même, t'es vivé à 4h de l'après-midi, je suis allé au déposer ce léon. Plusieurs autres espaces encore, local sojourner qui était sous route, alors sous aéroport, tout près, en rentrée à l'aéroport. Il t'a posé les sous caillot, il t'a mis interdiction de départ contre plusieurs enfants. Et mes doigts, c'est bientôt, il t'a donné du mais, il a levé interdiction de départ, il a levé ce léon. Et puis, qu'on a dit, mais dans le système. Mais je dis, c'est même coalition d'assassins, groupe criminel, groupe kidnappé qui a accaparé, qui kidnappé le système judiciaire. C'est eux-mêmes qui sentent que pression sous doit pas piti, international là-bas, pression, ils demandent de écarter juge, mais ils demandent pour écarter. Ils ont été jugés en tant que kidnappeur, en tant que criminel assassin. Je dis, nous avons qui fait faux dossier, qui pas même des documents normal même en tant que monde à l'école, pour faire faux documents pour rentrer dans le système. Mais encore, qui est-ce qui a dénoncé encore? C'est Gabi Blaise. Gabi Blaise, un assassin, un présumé assassin, président. Non, Maître Dorval, qui t'a le marron dans le pays de la France, le DCPJ t'a invité à des monsieur. C'est même ses amis, Ikinson et Dumé, qui c'est Gabi Blaise, qui t'a aidé, Ikinson et Dumé, faire faux dossier, faux documents pour qu'elle devienne rentrée dans le système judiciaire. Non, c'est même Gabi Blaise qui a dénoncé Ikinson et Dumé. En même temps, Ikinson et Dumé, tout dénoncer Gabi Blaise comme monde qui participe à l'assassinat de M. Dorval, Boussa John. Ça veut dire que c'est un éclatement total dans le système judiciaire. Est-ce que vous comprenez? Tout tape comme pour Sojourner tout contre le président Jovenel, c'est même Boussa, c'est même Mounio. C'est même Mounio.
c'est même assassin yo. Et mais normalement peuple haïtien, je dis nous trouvons nous de en fait accompli côté que c'est bataille que le président Jovenel Moïse t'a fait qu'a continue. Et m'a dit nous ça clairement. Le président Jovenel Moïse poko a reposé en paix peuple haïtien. Non poko a reposé en paix tout temps. Rêve que le gagné, bataille que t'a mené, mission que le gagné poko abouti, li poko a reposé en paix. Mais pour le reposer en paix, c'est ou même qu'a attendé émission ça là. Qui vous fait le repos en paix. Pendant que vous cherchez l'émission, ça, vous partagez pour faire le dans les oreilles. Dimitri Vauban, en tant que kidnappeur, criminel, pour nous montrer que 18 mois et quelques jours après, nous campons la bataille. Contre ou comme criminel. 18 mois et quelques jours après, nous campons la boumé. Parce que le président a une vision, a un objectif, a un côté qu'elle devait aller avec le pays. Nous dit, nous continuons le combat ça. Et bien, Boussa John, nous campons pour nous boumé. Nous dit, pour nous finir, Miss Lily El Shaddai, yo pas pour contre n'a continué bataille là parce que nous connaissons Zack que nèg fait c'est méchanceté c'est abus d'autorité abus de pouvoir que nèg fait et ben nous dit pour toute raison ça yo n'a continué bataille pour regarder comment nous t'avons retiré bateau ça yo que nèg décidé pour voler pour décider pour aller remettre iso pour ils faire kidnapping sur la mer nous décider pour une bataille contre nèg ça yo parce que nous connaissons c'est équipe Michel Matelia à savoir qui concerne Rémi Renal Lerecif et groupe Gangalil en général qui décide pour battre pour saisir bateau Mounio qui c'est comment l'autre criminel notoire qui décide pour faire comme dans dossier ça tout c'est Georges Racine peuple haïtien prend responsabilité nous Boussa John nous t'es bien content faut tu parler ensemble avec vous et m'a dit que n'a préparé tout document normal avec toute photo tout bagage net n'a préparé pour vous pour passer dossier ça nous pas qu'à quitter Paris si vous quitter le passé qu'on est pas gagné sport pour diaspora haïtienne encore nous t'es content ensemble avec Boussa John famille amis channel Boussa John moi t'es content ensemble avec nous et son plaisir vraiment pour me toujours parler sur gros plateforme ça plateforme qui est engagée pour bataille pour délivrer pays ça n'a continué bataille et son plaisir vraiment un plaisir pour que me dans l'émission ça ensemble avec nous merci Beto ou toujours la caillou bienvenue frère pas gagne une baguette nous soutenons seul nous nous vraiment apprécions ça ou pour décaler qu'on fait là pour ça que ou bien ou annoncer peuple là nous vraiment apprécions ça j'en décote qui dossier ou pour peuple là on love mon frère merci un pile bon intervention à l'émission Pépla. Merci en pile, Boussa John. Nos paroles, mes chats, là, moi, j'ai chat là. Je chante pas et la mode des charges. L'état réglé, ça fait la classe.